Et coucou mes petits carnards, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour du 2v2 avec le grand, le beau, le fort, Jérémy Walouf. Walouf, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh bah écoute, à merveille. Moi je me fais plaisir, en ce moment je me fais carrière en 2v2. Après McDoy, voici Walouf. J'ai envie de dire, voilà, c'est des coffres gratuits pour moi, c'est gratuit. Bon, même si c'est moi qui carry McDoy, hein, ça... Si t'as pas vu la vidéo d'ailleurs, je t'invite à aller la regarder, hein, cher public évidemment. Donc du coup, bon, mon Jérémy, juste pour te prévenir quand même au niveau de mon deck, histoire que tu sois quand même pas perdu, parce que je vais évidemment utiliser le même deck avec McDoy, hein, c'est le deck de V2 que je vous ai conseillé, le deck du futur, c'est le golem géant squelette. Bah tu sais quoi, je vais jouer la même chose que toi. Oh le coquin. Ah bah putain, alors là il va y avoir des bombes de partout mon gars. Ça va être la guerre. Alors 2v2, je vais essayer de pas me gourer comme avec McDoy et lancer dans un V1. Jouer avec un ami. Hop, partager avec le clan. Parfait. Hop là. On est bon. Attention, je te préviens, si on perd une game, ce sera de ta faute. Ok. C'est juste au cas où. Pas de soucis, pas de soucis. Team mauvaise foi, hein, évidemment. Tu m'étonnes. Au golem. Je suis pas la défaite. Oh ouais, au golem direct, moi. Pas le temps. Je te laisse défendre. Vas-y. Ah, tu me diras, avec un bon géant squelette. Ah, ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Alors, s'il va te mettre de l'autre côté, ouais. Waouh. Le mineur panique. L'armée des archers. Oh, attends, j'ai une BDF, mon gars, là, je tue tout le monde, là. Oh. Et boum. C'est ça, c'est beau d'avoir des cartes cheatées. Les pauvres, ils ont Epic 5. Ah bah oui, du coup, toi, t'es reparti sur un petit compte, c'est ça? Oui. Tu l'as... T'as commencé à le rebide après ta 76e retraite. C'est ça. Non, mais j'avais vraiment eu des problèmes perso, du coup, j'ai dû... Enfin, je parlerai pas de ce qui s'est passé. Oui, non, bien sûr, mais... bien sûr. Mais voilà, quoi. Bien sûr. Pas de soucis. Non. Mais moi je le savais, et j'espérais ton retour. Je te l'avais annoncé d'ailleurs, le retour. Bah, en même temps. Le retour du Jedi, le grand. Ah oh là là, oh les frères squelettes, ils sont là. Non, j'ai les petits gobelins, c'est bon, on va laisser faire ça. Cette petite princesse des bois, là, mange tes coups de couteau. Quoi, elle a tapé deux fois? Ouais. Mais quel catin. Alors attends, moi je prépare encore la BDF d'une vie, mon gars. Vas-y. Vas-y. Allez, quand vous voulez, les gars, posez des trucs. C'est juste pour le... Ouais. Ouais. Au moins, ça va permettre d'autres gens d'avancer. Oh non, la tornade, mais non. Mais c'est des cheaters. Mais qui... What? Mais ils ont combien d'élixirs? Bah ouais, mais ils en ont trop. C'est dégueulasse. Bon, t'inquiète. Là, c'est le moment où nous, on a l'avantage, là. On a réussi à pas perdre nos tourelles. Ouais, alors, c'était peut-être pas obligé, ce mini PK. Ouais, j'aurais laissé gratter. J'ai peut-être fait une connerie. J'ai peut-être bien fait une connerie, mais c'est pas grave. Parce qu'arrive le géant squelette, évidemment. Alors là, bon courage pour arrêter le bus. Hein. Salut, comment ça va? What? Ils ont mis un sort d'orage, ils sont sérieux? Cette bande de tarde. Alors attends, lui. Ah bah oh, ouais. Allez, la balade de bol, bah les couilles. Double kill. Alors, il fera gaffe, il y a quand même encore un golem et un golemite. Hein. Dans le milieu, on appelle ça un bus. Voilà, voilà. Bon, il paraîtrait qu'on leur a roulé dessus. Hein. Assez tranquillement. Ouais, bon, on a pas forcé. Quand je vous dis que ce deck... il est cheaté ou pas, mon deck? Est-ce qu'il est cheaté? Ouais, j'aime bien. Ah, je vais gagner la PGW avec. Ah, voilà, voilà quelque chose que je veux entendre. Bon, évidemment, si vous voyez ce deck jouer à la PGW par Walouf, oubliez pas de dire c'est le JS deck. Bon, même si évidemment il ne le jouera pas. Parce qu'en 1v1, c'est beaucoup moins bien. En 2v2, ça passe. Oui, ça serait tendu, je pense. Alors, du coup, attends, est-ce qu'on partirait pas sur une autre petite fourberie là pour changer un petit peu? Parce que bon, ce deck est un peu trop fort, tu vois. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est trop facile, tu vois. Vas-y, moi, je vais jouer Zappy. Tu vas jouer Zappy? Ouais, bah moi je vais jouer Méga Chevalier Rocket Fieu Gobelin. D'accord, très bien. Et là c'est le moment où tu sens qu'il est content, tu vois, genre quand je lui dis ça, tu vois. Le mec absolument ravi. Ah, tu vas vraiment jouer cette merde? Non, ça va, le deck est fort, franchement. Ah mais c'est ma version. Ma version est dangereuse.
Ok, super. L'orage. Allez. Elle est où la défense? Elle est là. Ok. Ah, non, foncez pas dans la bûche, bande de cons. Mais c'est quoi ces gobelins en carton? Eh, hey, hey. Ah non, ça les a pas tués. Ah, j'avais tout capitalisé sur le fait que je les tue. Ah merde, ah, oups. On vient de donner une bûche, quoi. Aïe. Ça va, il est mis qu'à coup, il est mis qu'à coup, tout va bien. Bon, là, par contre, il va bûcher. Mais je me prépare du coup à mettre le fût derrière, hein, comme une grosse pute. Ah non, ils vont pas bûcher. Fuck. Oh, ça gratte. Oh, ça gratte vénère. Oh, regarde-moi ce fût. Fût MVP. Oh, il joue le prince ténébreux. Ça, j'ai le zap. Ah oui, toi, t'as le zap, ça. Tranquille. Couché. Couché. Lord DVD. Plus jamais je joue son deck. Ah bon? Pourquoi? Oh, cette défense, quoi. Putain, je m'impressionne moi-même, quoi. C'est princesse MVP. Sinon, au cas où, j'ai roquette, hein. C'est juste pour prévenir. Ah putain, j'ai envie de faire un roquette fût, là. Je bûche. Un roquette fût. Hein. Ouais, loupé. Merde. Oui, bah ça va, ça arrive au meilleur. Tranquille, tranquille. On est bien. Attends, j'ai pas encore sorti mon kangourou des bois là. On va tanker sur lui. Je vais zapper. Voilà. Là, on va mettre une princesse par là. Ah, ça tient, easy. Ah, ils sont trop offensifs. Moi j'y vais en modulo. Je vois ça. Ah, j'ai plus le temps. Je suis pas venu là pour rigoler avec eux. Allez, go jump. Oh, il a zappé l'enfoiré. Oh, le bâtard. Oh la foudre! Oh les pleutres! Oh les pleutres! Non! Oh, c'est la défaite! Non, c'est de ma faute. C'est le Rocket Fuge, je pense, qui nous a fait perdre. Non, mais en fait, quand t'as mis ton méga chevalier, j'aurais dû soutenir avec un géant ou il. Non, n'essaye pas de faire genre que c'est de ta faute. On sait tous que c'est moi. S'il te plaît, arrête. Alors, attends, j'en ai un troisième. Pas piquer des hannetons, hein, comme dirait notre cher ami Jason, hein, l'ami Doc Jazzy. Ah, attends. Ouais. Celui-là, c'est un golem méga chevalier gel. Attends, je vais chercher un deck. Oui, tu as bien entendu. PK, pardon, méga chevalier, golem gel. Ouais. D'accord. Bon, moi je suis un mec comme ça. Non mais, arrête, tu décolles, je suis monté avec en ladder. Hein. J'ai battu des mecs niveau 13 et tout maxé. J'ai même battu un mec avec un corps à 6000 avec ce deck. Je tiens à le dire. 6000. Et Dieu sait que je suis une chèvre. Oh putain, là je me sens chaud, je sais pas pour toi, mais... En plus, le sort de gel en 2v2, c'est tellement OP. C'est bon, j'ai un deck, hein, t'inquiète. Ouais, par contre, si tu peux avoir des sorts de dégâts dedans, ce serait cool, parce que j'ai 15 zap. Hein. Non, là, t'inquiète, j'ai pris boule de feu zap, comme ça, d'aurait sûr. Parfait. C'est vrai, on se comprend, on a l'impression qu'on a fait ça toute notre vie, quoi. Incroyable. C'est ça. Une vraie équipe, quoi. À quand un tournoi de V2, on arrive avec quoi, le ouf? Ouais, non, mais c'est vrai. Tu sais que moi, je me posais la question hier soir, je me suis dit, putain, pourquoi les tournois de V2 sont pas encore là? Bah, moi, ça me surprendrait pas qu'ils en organisent un plus ou moins prochainement. Alors ceci n'est pas une info officielle, hein, je tiens à le dire. C'est juste une... Oh là, je viens de poser golem à ce moment-là. Ah, et puis ils ont... Ah ouais, cochon 11, quoi. Les coquins. D'accord. Quoi. C'est pas comme s'ils faisaient super mal, le truc. Et pourquoi ils sont niveau 11 avec des cochons 11? What the ouf. Apprends-nous Clash Royale. Non, mais ça, c'est le matchmaking que je comprendrai jamais, hein. Ah non, toi aussi. Merde. Pas grave. Ouais, mais si, du coup relou. Ouais, c'est vrai.
Il y en a un qui est full max, je crois. Ouais, peut-être, et l'autre du coup qui doit être plus bas. C'est certainement. Ok, j'ai le méga chevalier. Allez, va m'écraser cette sorcière dégueulasse là. Oh merde, j'ai plus rien. T'inquiète, j'ai. Team Goblin. Putain, le cochon 11, il fait tellement de dégâts. C'est ça qu'on veut. Coucher! Coucher les nuls! Je vais zap là. Vas-y. Je m'occupe des saletés. Hein. Hop là! Alors! C'est qui les patrons? Eh ben c'est nous! Ce sort de gel légendaire, hein, évidemment. Non, pas du tout. Bon, il a... Non, il était beau. Bah, il a suffi à congeler l'autre saleté là. Il est trop sorcier. Hein. Cochon, il a pris tellement cher, moyen. Alors lui, il a pris gang bang à l'arrivée, quoi. Eh tiens, nous on est à team MG, qu'est-ce qui se passe? On est les MG. Oh. Ah non, je voulais sauver la Twitch. Fuck. Ça va marcher. Ah, j'attends qu'il relâche un cochonou, là. Je garde mon MG pour ce cochon. Le MC plutôt, non? Ah oui, Oh! Attends, non, j'en ai un mieux! Allez, orage! Tout cassé! C'est tellement violent, ça, mec! J'ai tout cassé! Tu taperas pas! Oh, si, il a tapé! Vas-y, golem corner, bas les couilles. Ouais, des machines. T'inquiète, t'as loupé ton zap, je suis là derrière. Oh, mais oui, monsieur. Oh là 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 là, mais Jérémy, mais Jérémy, mais Jérémy. Mais quelle équipe, quelle équipe. Oh là là là, ce méga chevalier corner. Oh mais magnifique, couplé à un petit sort de gel venu de nulle part. Incroyable, incroyable. Bon les amis, voilà, on vient de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on faisait pour être des top players en 2v2. On va gagner le prochain tournoi de V2. Voilà, vous nous retrouverez évidemment en tournée à la salle polyvalente d'Adir-sur-Seine pour les tournois de V2, évidemment, avec Jérémy. On est chaud patate, on est comme ça, on est des machines, des monstres, voilà, des monstres. Bah du coup, mon Jérémy, ce fut un grand plaisir de t'accueillir dans cette vidéo de V2, évidemment. Merci à toi de m'avoir fait gagner des coffres. Et du coup, évidemment, oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et surtout d'aller checker le Twitter de l'ami Walouf qui est dans la description, et d'aller vous abonner, parce qu'il y a des tweets un petit peu bizarres qui circulent en ce moment sur son Twitter, et je vous conseille de les liker. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, à plus Jérémy, merci beaucoup. À plus.